Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi, c'est le week-end, bon samedi, 15 mai 2021, 6h37, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même s'il y a des bonnes raisons de penser que ça pourrait aller encore plus mal que ça va déjà en ce moment. Hier, je vous parlais d'une possible dépression, mais d'après moi, la dépression économique n'est pas possible, est inévitable. On a vu les ravages de la pandémie hein, qui n'a pas épargné les populations les plus pauvres. D'ailleurs, c'est toujours les populations les plus pauvres ou celles de la classe moyenne en descendant qui sont affectées par les crises économiques, par exemple la pandémie. J'aimerais juste vous rappeler, au cas où vous ne le saviez pas déjà, les riches ne sont jamais touchés par une crise économique, ou presque. Et quand ils sont touchés, il y a toujours des bons parachutes dorés pour eux autres qui se sont, que ces gens-là se sont dotés. Les gouvernements sont toujours là à sauver les grandes entreprises, hein, les grands dirigeants de ces entreprises, grandes entreprises créatrices d'emplois, et les petits sont toujours laissés pour compte et abandonnés. Dans toutes les crises économiques, les élus sont jamais touchés, un député va jamais perdre son emploi dû à une crise économique, on va être obligé de couper des postes de députés ou de hauts fonctionnaires. Tu vois jamais ça. Ceux qui écopent sont toujours les petits. Et la situation actuelle n'est pas différente des autres crises économiques. Hein? Les riches sont assez riches pour passer à travers n'importe quelle crise. Et quand il y a vraiment une grosse perte d'argent pour les riches, les gouvernements sont généralement là pour convaincre les populations qu'il faut absolument soutenir et donner aux riches. Donc, on le voit, les prix augmentent partout, les prix des produits essentiels. D'ailleurs, il y a plusieurs pays où, avec la pandémie, les gens se sont retrouvés carrément à la rue parce qu'ils vivaient déjà dans la rue. Mais au moins, il y avait un petit travail, des bricoles à gauche et à droite hein, qu'on faisait pour nourrir sa famille. Dans plusieurs pays, c'est comme ça que ça marche. Les gens se débrouillent et vivent de ce qu'ils sont capables d'offrir ou vendre au coin d'une rue ou ainsi de suite, quelques services que ce soit qu'on peut offrir pour des modiques, vraiment des modiques sommes, mais ça te permet de passer à travers, nourrir ta famille, puis espérer un jour que ça pourrait aller mieux, hein, ce que les populations espèrent depuis des milliers d'années, mais c'est pas venu encore. Et cette pandémie-là a vraiment ciblé les plus faibles, les plus pauvres de nos sociétés à nous, mais des pays aussi, encore plus, qu'on appelle émergents. Dans nos pays riches, le secteur de l'hôtellerie, le secteur du spectacle, le secteur de la restauration, entre autres, ont été les premiers touchés. Ça représente une grosse main-d'œuvre, dont moi je fais partie, je suis serveur pour ceux qui ne le sauraient pas. Et on est en arrêt de travail depuis presque un an et demi, avec 55% de ton revenu. Je peux te dire une chose, les temps sont difficiles pour tout le monde. Mais il y a des gens qui sont encore pires que ce que... Ben, tu peux toujours trouver pire, de toute façon. Et c'est un peu ce qu'on essaie toujours de faire, de convaincre les populations. Mais il y a pire que vous autres, parce qu'on aime ça niveler par le bas. C'est comme une espèce de porte de sortie pour tout le monde. Hein? Tu te compares à pire, tu te consoles. Mais ça ne te fait pas avancer ton statut. Dans nos sociétés à nous, le prix des maisons vient de prendre un envol, c'est incontrôlé, c'est même irrationnel. Irrationnel, une propriété dont le prix moyen était de 250 000 il n'y a pas très longtemps, avant la pandémie, maintenant se retrouve à 375, 400, 425, voire même... Dans certains cas, une propriété qui était à 300 000 dans mon secteur est rendue à 550 000 pour la même propriété. Ça vient couper l'herbe sur le pied à tous ceux qui voudraient commencer une famille ou s'acheter une première propriété. Je ne sais pas comment les gens vont... D'ailleurs, tu as vu, c'est une augmentation de presque 50 % à 75 %. Il y a des propriétés à Laval, par exemple, ceux qui connaissent le secteur, qui sont passées de 500-600 000 à... presque 800, 900, 950 000, puis il y a du monde qui sont là pour l'acheter, puis ça part
Comme ça. Je peux te dire une chose, quand les taux d'intérêt vont augmenter, il y en a beaucoup qui vont être étouffés. Mais les gens ne pensent pas à ça. Puis d'ailleurs, ceux qui achètent souvent, c'est ceux qui avaient déjà une propriété, ils ont vendu, puis ils rachètent encore plus gros à beaucoup plus cher. Les salaires n'ont pas suivi la même vitesse d'augmentation, loin de là. D'ailleurs, dans le contexte de la pandémie, moi, je connais plusieurs, j'ai plusieurs connaissances, puis vous en avez sûrement, qui, pendant cette année et demie de pandémie, ont gardé leur emploi, mais ont reçu plutôt de leur employeur une offre de baisse de salaire. Des fois, jusqu'à 25 %. Je connais quelqu'un qui habite à Toronto, qui est une professionnelle avec un salaire, disons, de 175 000 par année, et qui est dans un certain secteur de l'économie, dans les analyses financières, et les dirigeants d'entreprise ont proposé aux employés de garder tout le monde pendant la pandémie, à une condition que les gens acceptent une baisse de salaire. Comme ça, on peut sauver tous les emplois. Je ne sais pas si tu le sais, mais 25 % de 175 000, c'est beaucoup d'argent. 25 % de rien, c'est rien, mais 25 % de 175 000, c'est beaucoup. Et ça c'est vu dans plusieurs entreprises, plusieurs secteurs de l'économie, des patrons qui sont venus dire, on va vous garder tous, mais ça va demander une baisse de salaire. Donc, on a tous les ingrédients pour se retrouver dans une crise majeure de superinflation et de grande dépression. Parce que je ne pense pas que les taux d'intérêt vont rester au taux actuel jusqu'à la fin des temps. On voit le prix de l'essence dans plusieurs... les États-Unis qui sont le royaume de la grosse voiture, hein? Parce que le prix de l'essence a toujours été bas parce qu'on a toujours contrôlé le monde. Ben là, le prix de l'essence, avec les nouvelles philosophies, les nouvelles politiques, le nouveau gouvernement en place, il y a des États où le prix de l'essence est rendu à 5 $ le gallon. Ceux qui ont acheté des Hummer, pour dire une chose, ils vont avoir des grosses factures à chaque fois qu'ils vont faire le plein. Puis ça ne va pas baisser. On a vu le prix de l'essence en Europe aussi, hein, depuis des années, augmenter, augmenter, parce que ça fait longtemps qu'on a planifié le transfert vers une autre énergie. Et quand le prix sera plus accessible, tu n'auras pas le choix transférer ton mode de transport vers une autre énergie. Donc, les prix de maison, ça monte en flèche. J'ai un article, je vous laisserai ça dans la boîte de description, qui vient de CNN Business, mais tu n'as pas besoin d'eux autres pour... Tu as juste à... Si tu suis un peu ce qui se passe autour de toi, puis tu parles à tes voisins, puis tu regardes le marché de chez vous, tu n'as pas besoin de CNN Business ou de Fox Business ou de Bloomberg Business. Mais eux autres, ils te confirment qu'il n'y a pas si longtemps, les experts immobiliers se préparaient au pire, parce que on est dans le monde irréel, irrationnel. Il n'y a pas si longtemps... Dans un monde normal, si tu prends les marchés de la bourse, ça fluctuait avec chaque événement politique, chaque battement d'ailes d'une mouche quelque part en Asie venait influencer les marchés, ça plongeait de 2-3 %. Il y avait une petite crise qui semblait originer du Moyen-Orient, ça descendait de 6-7 %. Maintenant, tu es dans la pire situation mondiale historique, puis les marchés boursiers sont aux États-Unis avec des niveaux records. Donc, il y a quelque chose qui ne marche plus. Il n'y a plus de rationalité, il n'y a plus de... Les riches sont vraiment devenus encore plus riches. On a vu Amazon, on a vu Elon Musk, on a vu Bill Gates, mais surtout Amazon avec Jeff Bezos et plein d'autres entreprises multiplier les gains pendant la pandémie d'une façon vraiment outrageuse. Il n'y a personne qui a vraiment dit quoi que ce soit ou qui a semblé vraiment outré de ça. Dans un contexte comme celui qu'on vit, d'une pandémie mondiale où tout est arrêté, où presque tout est écroulé, tu aurais dû voir le marché boursier s'effondrer. Ce n'est pas arrivé parce que il y a eu des changements qui ont été faits pendant 4 ans au niveau de la bourse qui a permis aux requins d'être encore plus gros et plus agressifs. Parce qu'on a déréglementé tellement de choses. Entre autres. Mais on ne rentrera pas dans les détails parce que ça ne changera rien de toute façon. Dans le contexte actuel, le marché immobilier aurait dû s'effondrer partout. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Donc, encore là, on voit le manque de rationalité dans le mode de fonctionnement des gens. La pandémie de coronavirus, hein, avait envoyé une grande partie du monde en isolement cellulaire. Les entreprises
de coffrage qui couvre des dizaines de millions de travailleurs de leur emploi et mettre sur le marché du logement dans un gel profond. Le marché du logement dans un gel profond. D'ailleurs, les logements à Montréal ou j'imagine à Paris ou ailleurs, c'est un peu le même contexte et la même situation, sont difficiles à trouver. Puis je peux dire une chose, les prix ont augmenté en flèche. Le nombre de personnes demandant plus de temps aux prêteurs pour leur paiement hypothécaire a augmenté à mesure que la récession mondiale a frappé. Cette fois, l'an dernier, nous pensions que ce serait encore pire que 2008, a déclaré Kate Everett Allen, responsable de la recherche résidentielle internationale au cabinet de conseil immobilier Knight Frank. La crainte était que les prix de l'immobilier s'effondrent, comme il l'avait fait de manière fiable lors du ralentissement économique précédent ou lors des ralentissements économiques précédents, parce que c'est ça la logique. Une augmentation des faillites et du chômage réduirait les revenus disponibles et empêcherait les propriétaires très endettés de maintenir leurs prêts hypothécaires. Ceux qui ont la chance de posséder des résidences secondaires seraient obligés de vendre pour construire des réserves de liquidités, ce qui exercerait une pression encore plus à la baisse sur les prix. En fait, rien de tout cela n'est arrivé, a ajouté Everett Allen. Au lieu de cela, les prix des logements ont grimpé, alors même que le monde subissait sa pire crise depuis la Grande Dépression. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. De la Nouvelle-Zélande aux États-Unis, en passant par l'Allemagne, la Chine et le Pérou, le même phénomène s'est installé. Les prix des logements montent en flèche et de nombreux acheteurs paniquent. On a vu l'augmentation, vous voyez l'augmentation des prix là. C'est 6,7%, mais sur une moyenne. Parmi les 37 pays riches qui composent l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, les prix réels des logements ont augmenté de près de 7% entre le quatrième trimestre de 2019 et le quatrième trimestre de 2020, la croissance annuelle la plus rapide depuis deux décennies, depuis 20 ans. Alors, est-ce une bulle qui est sur le point d'éclater? Non! Selon Everett Allen, les emprunts restent bon marché et une fois les frontières rouvertes, les investisseurs étrangers donneront un nouvel élan au marché immobilier où l'activité d'achat a été largement tirée par les acheteurs nationaux. A-t-elle déclaré, cela se jouera pendant le reste de l'année et l'an prochain, puis il y aura peut-être une accalmie. Donc, la pandémie a profité au prix des logements. C'est parce que les gouvernements du monde entier ont aidé les propriétaires en interdisant temporairement les saisies, en fournissant des milliards de dollars de soutien aux travailleurs et aux entreprises. Les baisses de taux d'intérêt ont maintenu les remboursements hypothécaires abordables dans de nouveaux endroits, tandis que des réductions temporaires, des taxes d'achat sur certains marchés ont stimulé l'achat d'une maison. En tout cas, pas ici, là, mais je ne sais pas si vous êtes allumé. Enfin, je vous laisserai l'article, vous continuerez à lire ça. C'est très, très irrationnel et ça va, juste une question de temps, tout ça s'effondrer. On a vu hier que la pandémie a créé, le monde est tombé dans la faim, hein, a atteint son plus bas niveau, la faim dans le monde a atteint son plus bas niveau depuis des années. Parce que le vrai monde souffre, et c'est ça qui est la vraie réalité. Donc, c'est une question de temps, mais ça va venir vite, préparez-vous, psychologiquement, parce qu'il va y avoir toute une descente aux enfers pour la majorité de la population. Je vous reviens.